Bonjour tout le monde. Il suffit que je parle, que je déséquilibre complètement mon ancrage par rapport au bâton. Alors ce bâton, c'est un jo, c'est une lance de bois, une arme en bois pour les aïkidoka. Je l'utilise en tant qu'aïkidoka, mais c'est surtout pour savoir si je gère bien et tout mon équilibre. Un travail justement pour si tout mon aimé mon aliment est fait, c'est-à-dire que certains vont parler les aliments des sept chakras principaux, sachant qu'il y en a beaucoup plus, il y en a à peu près une petite trentaine, 28. Aussi si tous mes méridiens sont cohérents, donc là quand je bouge je sens que j'ai encore des douleurs ou non. Là j'ai des petites choses que voilà, je retravaille. Pour les questions qui pourraient venir, je suis pieds nus, voilà, sur la mousse du gazon, enfin, on peut appeler ça un gazon, l'herbe, voilà, et je suis tout le temps en mouvement. Ce qui fait aussi qu'en parlant, j'ai la conscience de ma respiration au niveau du nez et de la bouche. Fais très attention à regarder aussi la caméra, ce qui m'oblige aussi pour moi un gros travail au niveau des yeux, parce qu'on a toujours tendance de baisser la tête et non pas forcément juste le regard, les yeux, de travailler les yeux, voilà, comme ça. Donc, j'y suis pas arrivé en 5 minutes, hein. J'ai fait ça sur plusieurs années et surtout une prise de conscience de ces 5 dernières années. Perfectionner ce travail, vous voyez, complètement, comme si tout était lié, c'est-à-dire d'avoir ces sensations de liaison physique, mais aussi énergétique, car je sens les sens, comment vous dire, les vibrations. Je cherche les termes les plus simples pour travailler comme ça. C'est-à-dire que là, en espérant que je ne fasse pas, il suffit d'être fini en double, vous voyez, voilà, je vais recommencer. Et je ne couperai rien, c'est-à-dire que ce sera vraiment le travail que je dois faire, c'est-à-dire en même temps cet entraînement. Vous voyez, là c'est mieux. Et dès qu'il y a déconcentration, vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, vous voyez, il faut faire très attention aussi. Voilà, un petit coup, je remets un peu, pas trop, voilà, hop, et c'est un peu trop. Voilà, donc le travail, il est là. Ça faisait aussi plusieurs semaines que je l'ai pas refait, donc c'est pour ça que c'est un gros travail pour moi, puis en plus pour vous réexpliquer, vous voyez, pour vraiment avoir cette sensation, trouver le point, voilà, d'équilibre. Je crois que je vais pas y arriver maintenant, c'est pas grave, voilà. C'est de se sentir par rapport à ça. Donc il faut que je retravaille aussi le cou parce que j'ai comme voilà, des sensations assez bizarres, plus ou moins douloureuses. Mais il va falloir que je retravaille tout ça. Comme là, je travaille les mollets. Que tout se passe bien. Voilà. Donc ça, c'était ces exercices. Après, il y a l'exercice par rapport au contrôle. C'est-à-dire, certains vont dire ça fait des majorettes, peut-être. Mais l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, fermez les yeux et vous travaillez là-dessus. Et le but du jeu, c'est d'avoir toujours la sensation de cette bulle. Vous voyez, j'ai rouvert les yeux pour revenir vers vous, pour travailler. Là, il est très léger, j'en ai un qui est un peu plus lourd, pour justement, parce que plus c'est lourd, plus c'est facile aussi. Voilà, léger, c'est justement, c'est que ça va vibrer, ça va être moins maniable. Donc encore plus un travail sur soi très très important. Voilà. Donc, il y a ce travail, et puis bien sûr le travail de l'équilibre. Certains vont vous donner toutes les, c'est vrai, des noms de plein de méthodes chinoises ou japonaises au niveau des arts martiaux, mais c'est surtout aussi un travail en soi, c'est comment nous on va le comprendre, comment on va l'assimiler et le mettre par rapport à notre corps, notre histoire, c'est-à-dire
Moi, par exemple, elle est variée comme tout le monde. Et aussi l'histoire de notre corps, c'est-à-dire les douleurs ou les chocs qu'il y a pu avoir, ou justement de voir là où il y a des facilités, de les rééquilibrer pour compenser. Un peu comme là, je suis droitier, pourtant là, c'est la gauche. Travailler justement cette partie pour justement y arriver. Et donc là, je sens qu'il y a vraiment des étirements qu'il va falloir que je fasse. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop, vous avez été indulgent sur ce que je fais. C'est la première vidéo vraiment que je veux que ça soit naturel. J'ai vraiment réfléchi comment je vais pouvoir. Vous voyez, je suis en plus en déséquilibre sur le. En plus, vous pouvez voir la prépondérance de mon ventre. Il va falloir aussi que je. Voilà, avec le confinement, le déconfinement, puis. Le peu de déplacement que j'ai fait, j'ai pris au moins 2 kilos. Et l'objectif, c'est que je voulais en perdre au moins 5. Là, ça va faire 7. Donc de perdre ces 2 kilos, de revenir à ces 2 kilos de base pour le corps et de perdre vraiment progressivement ces 5 kilos, car je sais que c'est aussi ce poids d'équilibre pour mon métabolisme et donc mon corps physique, l'entretenir. Faire très attention à lui. Vous voyez, ça y est, je retrouve, vous voyez, cette chance de pouvoir. Et puis vous pouvez écouter les animaux, les oiseaux et tout. Là, le ciel, il est un peu couvert ici parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'orages. Des choses assez impressionnantes. Et je vais utiliser beaucoup mon téléphone parce que. Des raisons purement techniques. Bien, j'espère que ce court-métrage vous a fait peut-être rire, dire que c'est un peu voilà à quoi il joue et tout ça. Non, c'est pour ceux qui me connaissent, je peux vous dire que c'est pour montrer que le travail de notre corps, certains utilisent des livres, vous sortir des mots. Eh bien, moi j'aime bien. Sans rester sur des choses, vous voyez, donc le yin, voilà, le yin, le yang, voilà, vous avez beaucoup de techniques pour tout ça, mais c'est surtout d'avoir ces sensations en nous. Je veux dire, pour comprendre ce que va dire des maîtres, des formateurs, etc., des professeurs, etc., etc., il faut aussi avoir cette conscience en soi, c'est le conscience du soi, c'est conscience de notre corps, de l'accepter comme il est, pour justement. Se réorganiser ensemble, c'est-à-dire c'est pas la schizophrénie, hein, c'est vraiment le mental et tout le reste, c'est-à-dire qu'on a plusieurs éléments, on a toujours dit et écrit, hein, on a deux cerveaux, le cerveau là et le cerveau ici. Bon après pour les hommes il y a un troisième, je vous laisse voilà. Personnellement un, deux. Et il faut tout coordonner, les émotions, le mental, hein, mais lui, et c'est quoi ce corps physique? Et ce corps physique, c'est ce qui nous permet justement quand même d'avancer aussi dans la vie. Parce que quand il est éteint, on est éteint complètement. Et après, dans des croyances, des réincarnations et tout ça, il faut aussi penser à cet instant présent, ce travail justement de notre corps physique, de notre équilibre. Et ce qui va nous aider aussi, sans douleur physique, de pouvoir mieux gérer l'ego. Nous affecte, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente continuité. Comme diraient beaucoup de personnes dans la spiritualité, tout ça, namasté. Et moi, je vous dis à très bientôt, à ma façon. Au revoir.